Bon, donc Serge, notre star américaine qui nous fait la joie d'être toujours avec nous tous les mois et nous expliquer une de ses chansons. Et cette semaine, notre star américaine a repris une vieille chanson de 1998, à l'époque où il était interviewé sur Divergence. C'était sa première interview outre-Atlantique et ça marque. On écoute mon oncle Serge. Salut Serge. Salut! Hey, ça me fait plaisir de me faire présenter comme une star américaine. Alors voilà. Ben écoute, oui, je suis là. Bonjour. Bonjour la France, bonjour Montpellier, bonjour l'Europe. En septembre 1998, le dollar canadien a chuté à un niveau sans précédent là, dans l'histoire, je pense. Que dans l'histoire de la monnaie canadienne. En fait, le dollar canadien a chuté sous la barre des 65 cents américains. Et comme ces jours-ci, le dollar canadien a connu à nouveau une chute assez spectaculaire. On est autour des 70 cents américains. Eh bien, j'ai remis cette chanson à l'ordre du jour de mes spectacles et je vous en parle aujourd'hui. Alors, c'est une chanson qui s'appelle donc « La chute du UR ». En fait, sur les pièces de 1 $ canadien, il y a un petit canard qui est un UR, en fait, que le UR étant une espèce de canard. Fait que voilà. Et dans cette chanson-là, je dis aux gens, je donne un conseil économique aux gens, de plus se procurer d'argent canadien parce que l'argent canadien est trop instable, ça ne vaut plus assez cher. Et au lieu d'acheter de l'argent canadien, donc d'acheter de l'argent Canadian Tire. Canadian Tire, bon, en anglais, évidemment, c'est les pneus canadiens. En fait, Canadian Tire, c'est une chaîne de magasins qu'on a ici au Canada. Il y a plus de 1000 succursales de Canadian Tire. Des fois, il y a même des stations-service où on peut mettre de l'essence. Et Canadian Tire, à chaque fois qu'on fait un achat là-bas, ils nous remettent on appelle de l'argent Canadian Tire, qui sont des espèces de bons rabais qu'on peut échanger lors de nos prochains achats chez Canadian Tire. Et ça a vraiment l'apparence ça ressemble vaguement à 1 $ canadien. Et puis on peut, sauf que sur un billet, ben souvent c'est 5 sous, 10 sous. 1 $, ça c'est une grosse coupure. Là. Alors voilà. Alors donc, voici ma chanson. Je dis aux gens de laisser l'argent canadien et d'aller sur l'argent Canadian Tire ou au lieu de la reine d'Angleterre, comme on a sur nos dollars canadiens, on voit un personnage dont je ne savais pas le nom, il s'appelle Andy McTire, une espèce d'écossais, là, de stéréotype de l'écossais, là, avec son vraiment traditionnel. Fait que voilà, la chute du nord. André Montmorency et les chutes Montmorency n'ont pas plus rapport que Patrick Huard et la chute du Huard. Et Thérèse est une baquesse qui se fout que le dollar baisse. Alors je baisse mes Levi's et baisse cette baquesse épaisse. Mais dès que Max Mons a giclé entre ses rêves, je repense au dollar et je panique soudain. J'ai beau essayer de l'oublier dans le sexe, rien à faire, la chute du dollar me laisse toujours perplexe. Je cours au bureau de change et en moins d'un quart d'heure, je change toutes mes valeurs pour l'argent Canadian Tire. Canadian Tire, Canadian Tire, la monnaie la plus stable c'est l'argent Canadian Tire. Canadian Tire, Canadian Tire, c'est la devise que préconisent tous les investisseurs. Je me branle très souvent devant un 20 $. C'est si bon de voir la reine et de lui venir d'en face. Puis je vais au dépanneur où travaille une belle adolescente et je paye avec la pièce, encore toute dégoulinante. Je m'achète une Molson Canadian parce que j'aime beaucoup sa broue et sa bouteille brune. Je me sac bien que le UR chute de seconde en seconde. Moi je n'ai que des billets de 20, je n'ai pas de pièces rondes. Mais surtout dans mon coffre-fort, caché dans ma demeure, il y a des pièces et des pièces et des pièces de pièces Canadian Tire. Canadian Tire, tu m'émoustilles. Je me sens tout mouillé comme une petite fille. Je frétille comme une anguille transpercée d'une aiguille. J'oscille comme une bille sur une allée de quilles. Dans ton grand stationnement, je suis rêvassant. Je pense à toutes les dépenses que je ferai en entrant. Canadian Tire, Canadian Tire, la monnaie là.
Bonjour, ici mon nom de Serge. Ah, je suis venu une allée et je vous aime. Canadiens!